One thing that the artist does is we ask two questions. How are we living? And how do we want to live? Tal e qual como o filho de Leila que sonhou e fez essa tão bela pergunta. Mon fils qui a 6 ans m'a demandé si on pouvait rêver des choses qu'on s'était pas encore imaginé. Na verdade, eu acho que o futuro não é exatamente aquilo que ainda está por vir somente. O futuro são coisas que já estão presentes, nós não somos capazes de reconhecer, são coisas que a gente coloca no domínio do sonhado, no domínio daquilo que parece desejado, não? Mas muitas dessas coisas são o passado mal escrito, o passado mal resolvido, não é? A que projetamos depois em tempo nenhum, e são também do domínio de um presente que nós não sabemos decifrar todas as suas dimensões, não é? Então, eu gosto muito da ideia que é lançada pelo Felwine, das afrotopias, e como é importante nós construirmos um outro tipo de representação do mundo a partir daquilo que são os nossos próprios pensamentos, né? Do nosso próprio pensamento, que não é um pensamento que a gente vai, digamos, chegar a um momento que dizemos este é o pensamento africano, seria uma coisa pobre se disséssemos que isto é um pensamento africano. O Felwine tem o seu pensamento, eu tenho o meu, mas na verdade o que podemos fazer é criar mais diálogo entre aquilo que nós pensamos, que estamos construindo como um novo território do saber a partir de África, a partir da nossa própria soberania, não? Ce que je crois, c'est que absolument que il est absolument nécessaire qu'on construise les métaphores, et j'aime bien le terme métaphore, de nos futurs, et qu'on dégage des horizons de nos représentations, parce qu'on est dans un monde où en fait la notion de futur a disparu dans le sens de ce qui doit advenir de manière souhaitable. Et ça a été remplacé par un certain nombre d'angoisses face aux crises existentielles, aux crises écologiques, aux crises politiques, et que le futur est devenu sans promesse. Ça, c'est de manière globale. Et les grands récits que nous avons, c'est des récits qui nous aident à éviter les désastres qui nous sont annoncés. Le désastre écologique, il nous est annoncé. Donc, on a un certain nombre de récits pour faire face à ce désastre-là. Il y a certains qui construisent un récit sur la collapsologie, tout va s'effondrer. Donc, comment on vit dans un monde où on pense que tout va s'effondrer? Et tous ces récits-là ont désinvesti l'idée de mieux être dans le temps à venir. Donc, on est revenu quand même de la grande idée du progrès, que les temps à venir vont apporter du mieux. On sait que dans les temps à venir, il y a un surgissement de tous les possibles. Il y a les monstres qui peuvent surgir, il y a aussi le mieux-être qui peut surgir. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on est en panne d'utopie. On est en panne de ces ressources imaginaires qui nous permettent de nous projeter, d'envisager des futurs souhaitables. On sait bien que le futur, il n'arrive pas comme on le veut, que les futurs sont non configurables, on n'arrive pas à les configurer. Mais ça ne nous empêche pas de les investir d'une intentionnalité. Et je pense que le continent africain a vécu ces derniers siècles une sorte d'assèchement de ces espaces de représentation. On a passé son temps à lui dire qu'il était en retard sur la marche du monde, qu'il devait rattraper des retards, le développement économique, la modernité sociétale, et qu'il devait s'inscrire dans les récits que les autres avaient produits, ou qu'il devait s'inscrire dans un chemin, dans une téléologie, dans une histoire linéaire, et qu'il devait rattraper son retard. Donc, du coup, sa présence au monde a été représentée sous la forme lacunaire. Et je pense que ce déficit de capital symbolique dans la représentation, c'est un déficit que nous devons combler en créant des espaces de représentation symbolique. Les prix littéraires en sont un,
et en créant des récits et des narratifs qui justement quoi, nous redonnent l'initiative sur la capacité de produire du récit. Et je suis certain que toi, en tant qu'écrivain, ben, tu es d'accord avec la puissance imaginaire du récit, mais la puissance, je dirais même, active du récit. Este quotidiano que eu vivo em Moçambique, quer seja na cidade, quer seja numa zona rural, me diz que as pessoas têm identidades que são produzidas todos os dias por via de relações humanas, relações sociais. Quando a própria palavra futuro em Moçambique, ela é questionada porque, digamos assim, a relação com esse tempo é quase uma relação do domínio do sagrado, não é? Por exemplo. Quando eu circulo no campo e um pensamento profundamente ecológico já está instalado nessa zona rural, que determina que, por exemplo, um rio não seja uma coisa, mas seja uma entidade, a montanha é alguma coisa que tem, que tem fala, que tem alma, que conversa comigo, não é? Tudo isso não é objeto de coisa folclórica, não pode ser sujeito a alguma coisa que a gente diz que é da tradição africana, que é uma coisa que é do domínio do exótico. Não, esse há aqui uma visão do mundo diferente. Aqui alguma coisa que não permite coisificar essas entidades que são... isto é, que questiona a fronteira entre o vivo e não vivo. Por exemplo, eu acho que todas estas contribuições alimentam uma maneira de questionar o tempo, o próprio tempo, a ideia do futuro, né? Com essa intermissão também de um tempo circular, esta noção de um tempo circular. Eu acho que tudo isto a literatura diz, sem proclamar, não é? Sugere, contando uma história que de alguma maneira subverte essa ordem, essa lógica que foi instalada e que nós tornamos indígenas, indigenizamos dentro de Moçambique, dentro do Senegal, e hoje chamamos pensamento global. Acho que, desse ponto de vista, a literatura tem essa capacidade de questionar alguma coisa que não é do domínio literário só, mas que é no domínio da cosmologia, digamos assim, da visão do mundo. Je crois vraiment que l'un de nos défis, c'est d'avoir hérité d'une cosmologie qui sépare l'être humain du vivant, qui distingue la nature et la culture, qui est une cosmologie binaire. Et d'ailleurs, même il y a des travaux, je veux dire, dans l'épistémologie occidentale qui les remettent en cause et qui fait qu'on a réduit notre existence à une binarité, culture-nature, humanité-non-humanité. Alors que fondamentalement, des cosmologies comme les cosmologies africaines au sein d'Amérique latine ont conçu une continuité entre les différentes formes d'existence et de vie. Et aussi, on conçut les identités comme étant fluides. Elles ne sont pas stables. Et on conçut aussi les identités comme étant en capacité de métamorphose, les identités métamorphiques. Donc du coup, toute cette difficulté que nous avons à avoir un rapport, je dirais, adéquat avec ce que l'on appelle l'écologie, c'est parce que nous vivons dans une cosmologie de la séparation. C'est-à-dire que nous sommes les sujets qui dominons la nature et la nature, elle est un objet que nous articulons à nos propres fins. Nous avons une relation instrumentale. Mais il y a une vraie problématique liée à la vision de notre place dans l'espace, dans l'univers, dans le vivant, et à notre identité qui fondamentalement est une identité relationnelle. Et même notre ontologie, notre être, c'est une ontologie relationnelle. Nous sommes, parce que nous sommes en relation, et avec, nous faisons partie du vivant et nous ne sommes pas séparés du vivant. Et donc, du coup, il y a une sorte de difficulté à concevoir que les questions qui sont pour nous sociales et politiques, ben, si on ne les pense pas avec les questions environnementales, avec tous les autres mondes qui sont en soutien, nous n'avons pas de vie. Notre vie, elle ne tient pas si ces mondes ne nous viennent pas en soutien. Ce n'est pas la vie individuelle. Et je pense que dans l'espace du roman, justement, quoi, on peut recréer ces récits-là, on peut les restituer dans l'espace du roman, qui est l'espace du texte imaginaire. Et si je prends la question de l'écologie, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à prendre de bonnes décisions, parce que justement, le roman n'a pas assez fait exister cette réalité de l'unité du vivant dans l'espace de l'imaginaire. Parce que généralement, on pense que ce qui est dans l'espace de l'imaginaire, puisqu'il est dans l'imaginaire, il ne sera pas dans la réalité. Moi, je crois que ce qui va advenir dans la réalité, il advient beaucoup plus vite dans la réalité si déjà
On l'a fait exister dans l'espace de l'imaginaire. Et les questions que nous avons du mal à traiter, c'est parce que nous n'avons pas pu les faire exister dans les mondes imaginaires. Et c'est parce que le roman, il parle assez mal de l'unité du vivant et que rarement il va au-delà de la division humain, non-humain, animal, etc., nature-culture, que nous avons du mal dans la réalité de prendre des décisions, je dirais, sociales et politiques, dans lesquelles on considère que la communauté, ce n'est pas la communauté humaine, mais c'est la communauté du vivant. Et si on considère que la communauté, c'est la communauté du vivant, donc que la politique devient une cosmopolitique. Comment est-ce qu'on va mettre en place une manière de vivre ensemble, harmonieuse avec l'ensemble du vivant? Comment est-ce qu'on va créer une économie qui ne nourrit pas que les humains, mais qui aussi fait croître le vivant? Donc, et comment est-ce qu'on va penser un ordre de relation qui articule une relation de symbiose avec le vivant, avec cette idée de symbiose qui est une idée de croissance mutuelle? Chaque entité du vivant, lorsqu'il croit, il fait croître l'autre. Et ça, je pense que lorsqu'on le raconte, quand on le raconte dans l'ordre du discours, ben pour que ça prenne réalité, il faut que ça existe dans l'ordre de l'imaginaire. Et en fait, ce que je constate, c'est que peut-être l'un des défis que nous avons, c'est que nous avons été victimes de ce que les scientifiques appellent un épistémicide, c'est que nos croyances, nos visions du monde, nos cosmogonies ont été totalement dévaluées, contestées, ignorées, niées par le fait colonial. Parce que le fait colonial, il n'a pas simplement eu besoin des marchands et des militaires, il avait besoin aussi de détruire les répertoires de savoir, les ressources symboliques, ou les minorer, ou dire qu'elles ne valaient pas grand-chose. Et essayer de remplacer une vision du monde par une autre vision du monde. Et faire en sorte que des élites, et créer des élites, quoi, des élites qui croient qu'en fait, leur cosmogonie, leur mythe ne sont pas valables. Eu acho que o desafio aqui é como é que nós podemos recuperar a partir de dentro da África este grande repertório de saberes que temos, não é? De maneira que não caiamos na tentação de folclorizar, de romantizar este património como uma espécie de um dado histórico, não histórico, ou como se fosse uma coisa biológica, não é? Recuperamos uma ideia de tradição que não seja aquela que foi fabricada e que nos foi legada por uma concepção europeia. O que é que está vivo? O que é vivo? Como é que essa... Vamos usar na mesma o termo tradição, ou o nosso... ou esse património, como é que ele é nosso, como é que ele vai servir, está vivo e vai servir para construir a ideia do futuro que nós tanto precisamos. Eu tenho muita fé que a África pode ter agora, nesta grande crise, neste grande vazio conceptual quase que estamos a viver no mundo. Eu acho que pode ser este um momento nosso em que nós podemos nos fazer ouvir, não só como fazedores de arte, mas como fazedores de pensamento.